Parisien, pas trop, pas trop. J'ai l'impression que ça envoie des sorties bon bras. Vas-y, dis bon. Oh là là. Oui. Voilà, petite mise à jour, on a coupé ce blanc. Ça fait court, mais c'est pas grave, ça va repousser. Ça fait plaisir, tout propre. C'est la chambre d'amis, Marianne, ça. La chambre à toi ? Non, d'amis, tu sais où elle est la mienne, quand même. Elle est où la tienne, toi, de chambre, d'ailleurs ? Elle est là. Et ça, c'est à qui ? À droite, là, à gauche ? Allez, ouais. Ok, allez, viens, on va prendre le bain. Non, je veux pas prendre le bain. Ok, c'est pas grave, pas d'étiquette. Allez, pas d'étiquette ce soir. Étiquette. Ah, on prend le bain, alors ? Je veux pas prendre le bain dans le... Tu veux prendre la douche dans ta chambre? Ouais. Allez, viens. Et... Je l'ai retrouvé. Allez, 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 on frotte. Bon, ben, le sablier, il donnera plus trop le temps. Voilà. Allez. Allez. Bambi. Petit mouchoir, parce que bisous au chien, encore une fois. Ça y est, l'allergie commence. J'ai rouge. Et voilà, ce sera le dernier cheat meal, on va dire, avant le... On n'a pas mangé à midi. Une fois par semaine. Et on n'a pas mangé à midi tellement on a fait deux choses. Donc c'est parti. Pardonnez. Les enfants viennent d'être couchés. On mange. Et on va se coucher très tôt. Parce qu'hier on s'est couché très tôt. Et avec le décalage horaire, on est KO. On s'est couché très tard. T'as dit très tôt, non? Ouais, mais comme il était genre 4h du matin, c'était tôt. Donc ça passe. Je pense vous avoir déjà montré, mais je vous remontre au cas où. Juste cette... pour le bras de la marque. Juste après, vous, le nom de vos enfants, le nom de vos parents. Vous avez plein de choses qui est possible. Je vais vous montrer après aussi des combinaisons. Rythme et je sais pas si je vais réussir à reprendre le sport dès demain parce qu'on a pas mal de rendez-vous par rapport à la maison vu qu'on venait à peine de la récupérer, il y avait des choses qui étaient pas finies etc et que du coup on est parti et ça c'est toujours pas fini parce que si t'es pas là ça bouge pas, donc du coup on a pas mal de rendez-vous demain. Il y a quelques trucs qu'on doit refaire, des trucs qu'on doit changer, des trucs qui ont pas été finis mais qui ont pas été déclarés à faire, bref, mais ça va, rien de foufou, ça sort bien quand même. Et du coup, voilà, on s'occupe de tout. Ça fait plaisir de rentrer, de s'occuper de tout, d'avoir 2 heures d'avance aussi sur la France. À chaque fois, il y a 2 heures de plus. Donc ça veut dire que quand il est 20h ici, il est 18h en France. Donc j'ai l'impression d'être dans le temps. On avance dans le temps. Et ça c'est vraiment stylé. Par contre, seul point négatif, le seul, c'est qu'il fait nuit trop tôt. Ah ouais. Bon, bonjour à tous. Ce matin, j'ai essayé de me lever à 7h. J'ai mis le réveil pour aller au sport. Mais j'ai pas réussi. Je pense que le corps, il va falloir qu'il s'adapte un petit peu. Je me suis dit, bon, les enfants, ils dorment encore, je me laisse aller. Et du coup, ils sont levés à 9h30. Du coup, voilà, le temps qu'on reprenne le rythme tous, ça va être un peu long, mais j'ai pris les heures de sommeil que m'offrait la vie. Donc, du coup, voilà, on vient de se lever là, petit café. Aujourd'hui, on va mettre les Wayne 2 heures pour tester. Ça va être sa rentrée, du coup. Hier, voilà, ça a été un petit peu chaos. Mais aujourd'hui, on va essayer 2 heures. 2 heures, ça va? Ouais, 2 heures, on va essayer. Et Mylon, toute la journée. Voilà. Petit crâne, c'est ta rentrée des classes aujourd'hui, on va te mettre 2 heures aujourd'hui. Tu vas aller trouver des copines. Que des copines, hein. C'est tout. Tu fais des petites grâces le matin à 9h30 là, c'est quoi cette histoire? On te retrouve bien ici. Petit décalage horaire. Bah oui, bonjour. Oh, cette odeur de poussière. Ça y est, on a mené les enfants à l'école. Du coup, on a les petits toutous à la maison. On est tous les 4, du coup. Voilà. Quand on était en Italie. Et du coup, ben, on a commandé un taxi qui est venu chercher. Un taxi de chien qui est venu les chercher, qui les a amenés au vétérinaire et qui a géré. Et du coup, ils sont soignés. Donc voilà, on se retrouve dans cette grande maison, tous les 4. Du coup, sachez tout. 4 heures. On est en milieu. Là, on cherche le sac à dos Spider-Man pour Mylon et un sac à dos licorne pour Liwen, pour l'école. Voilà, parce qu'avant, c'était des sacs à dos, il fallait être transparent à cause du Covid, etc. Du coup, on n'avait que celui-là, mais maintenant, on peut changer, donc c'est cool. Bon, pour Mylon, c'est réglé, le Paw Patrol immédiat. Et pour Liwen, moi, j'aime beaucoup celui-ci. Donc, on va voir. Celui-là, il n'est pas dégueu non plus. Bon, allez, c'est réglé. On a opté pour celui-ci, le petit panda, là. Voilà, en gros.
L'histoire, elle est très simple, c'est qu'en fait, dans l'école où on veut le mettre, ils n'acceptent pas les enfants qui ont moins de 3 ans. Et du coup, Mylon va avoir 3 ans du coup en octobre, et la rentrée s'est faite du coup en fin août. Donc du coup, ben, il aura un an de plus l'année prochaine quand il rentrera dans l'école qu'on désire. Donc même moi, je trouvais ça avantageux, parce que je trouve qu'il aura toujours un an de plus que les autres enfants, donc du coup, il sera peut-être beaucoup plus avancé. Et en plus de ça, la crèche où il est, c'est anglais, donc ça lui fait un an de plus à pratiquer l'anglais uniquement. Ça lui fait pratiquer l'anglais un an de plus, donc il sera complètement bilingue l'année prochaine quand il va rentrer. Et en plus de ça, du coup, il aura un an d'avance sur les autres. Donc voilà, je trouvais ça stylé. De toute manière, on n'avait pas le choix parce que l'école dans laquelle on veut mettre, il faut qu'il ait 3 ans, tout fait, tout rond. Donc on a préféré attendre, tout simplement. Voilà pourquoi il n'est pas rentré.